moi, il n'aime pas Villengas. Villengas, c'est au moins sport. Donc, comme ça, le mec, il t'a invité au premier rendez-vous, il a commencé à te tripoter, en fait. Oui, oui. Il a dit, bon, je rentre à la maison et tout. Ouais, le transport et tout. Il me dit, ah oui, c'est vrai, j'ai la monnaie. Il me sort deux billets de 500 francs. Donc on parlait, en tout cas c'était le Jean. Quand on dit le Jean du Jean là, c'est le Jean. Donc il a pris mon téléphone, il dit qu'ils ont passé un appel. Mm-hmm. Il est parti avec. Il est parti. Donc est parti. En clair, il a volé son téléphone. Premier rendez-vous, le gars vole son téléphone. J'ai dit, j'ai quitté Benjerville avec mon propre agent. Il a payé le transport, il s'est allé chercher quelqu'un à Trècheville. Après le rendez-vous, sans me donner le transport, il me dit, va me faire dépôt. Je pense que ça, mon cœur me fait mal. C'était le rendez-vous d'une amie. Elle m'a dit d'aller l'accompagner. Et lorsque nous sommes arrivés dans le rendez-vous, le gars même en question, il dit que c'est de moi, il est fin. Je suis arrêtée au haut. Je vois un gars bizarre là-bas. Cours. Pourtant, là, quand on dit le genre, il doit être un peu grand. Il dit, il faut tout blaguer. J'étais petite dans le troisième comme ça. Donc, je l'ai suivi. Arrivé là-bas, il a commencé à me toucher, que du genre, je suis belle, je suis une jolie. C'est une leçon en même temps pour les collégiennes. Hein. Si un mec vous invite, si vous n'avez pas confiance, n'allez pas chez lui. Genre, il commence à me faire des clins d'œil, il veut mon numéro et tout. Donc, j'étais obligée de dire à ma copine que, ah voilà, la gamme de ton gars, il a une sale gamme. Donc, je suis sûre que tu as déjà ta copine, tu es sûre. Ah, toi aussi. Parce qu'il y a des copines là. Mais bon, au moins, t'avais ton argent sur toi en fait. Quand il y avait quelque part, en tout cas, il y a prêt pour moi, c'est jamais. Ah, c'est la leçon des filles. Enfin, toujours avoir ton argent, sinon là, ah, prêt en fait. Dépôt 2 juillet, rappelé. Monsieur ne m'appelle pas. Je lui ai dit, ah, tu sais qu'actuellement, on ne peut pas lui dire que on ne veut pas bien quoi. Mangeons bien son truc, on a bien mangé son poulet, on a bien pris son transport et puis on l'a bloqué. Bon, et puis il n'habitait pas, il n'est pas encore d'Ivoire. Bon, il est venu passer un séjour et tout. Ah, donc c'est un binguiste. Donc. Franchement, mon Facebook là, il ne peut pas compter dessus pour trouver le garçon. Donc il était court et puis il était vilain. En tout cas, quand il fait les photos, tu as dit qu'il est grand, beau. Oui. En tout cas, c'est avec quel appareil photo il fait, mais ce qu'elle suit, moi, je suis découragée. Quand il venait là, il a fui. Il a dit qu'il courait, arrivé à la maison, il a dit plus jamais on m'a vu. Moi, Stéphanie, Erika, même mon téléphone là. Il peut plus avoir ça encore pour dire il va m'appeler. Quand il fait mes statuts, il fait vue et puis il passe. Moi, il sait que il sait en plein esprit qu'il me doit. Il m'envoie un message pour dire que non, je suis désolée, que je voulais pas que ça se passe. Jean, il regrettait en fait, voilà. Mais c'est trop tard.